Bonjour tout le monde, bienvenue à tous, bonjour Guillaume, comment vas-tu? Bonjour Pierre. Le confinement se passe bien? Oh, ça va, il fait beau, tout va bien. On arrive à la fin en plus, donc ça va pas mal. Ouais, normalement le 11 mai ça devrait redémarrer tranquillement, bien que, bon, Swisslands s'est jamais vraiment arrêté. Non, 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 on s'est pas du tout arrêté même. Enfin, on a un peu ralenti, mais finalement, on n'a pas tellement chômé pendant cette temps de confinement. On a travaillé sur plein de choses pour l'avenir. On va aborder aujourd'hui le thème de la création de compte. C'est quelque chose d'assez important pour démarrer avec Swisslands. Est-ce que tu peux expliquer un peu comment ça fonctionne? S'ouvrir en différentes langues, vous avez le choix de faire les différentes langues en fonction de la langue que vous souhaitez. Et puis, alors normalement, tu dois pouvoir remettre la vidéo, Pierre, qui est passée un peu vite. En fait, en sélectionnant vous pouvez remplir un formulaire en ligne directement. Ce formulaire simple. Et de du magasin en sélectionnant les pays. Ça vous aussi la possibilité de nous dire un peu comment vous nous avez connus et tout ça. Grâce à ça, ça va vous permettre nous permettre de créer votre compte pour que vous puissiez recevoir les lentilles. Et également après la création le remplissage de ce formulaire, vous allez recevoir par email vos identifiants et mots de passe qui vont vous permettre de gérer vos commandes, vos retours, vos facturations. Tout est faisable sur Internet, sur le site, dans votre espace client directement. Donc ça, il faut nous laisser un peu le temps de. Enfin, en général, il faut compter 3 jours ouvrés pour créer votre compte et que vous receviez ces identifiants-là. Oui. Un point important, le numéro de TVA intracommunautaire qui doit être renseigné, c'est le numéro de sirène, précédé du numéro de TVA, enfin, en général FR pour les Français, BE pour les Belges. Exactement, ouais. Ça, c'est important, c'est au niveau de la facturation pour la comptabilité. Les factures sont envoyées hors taxe. La TVA est auto-liquidée. Donc ça, c'est un facteur vraiment important pour l'envoi des lentilles pour le dédouanement. Exactement. Au niveau de l'espace professionnel, je crois que c'est une case qui est à cocher, hein, c'est pas automatique. Moi je le précise à chaque fois qu'il faut la cocher. Oui. Alors, c'est une case qui est cochée pratiquement en automatique. C'est-à-dire que nous, quand on vous envoie les identifiants, on les coche automatiquement aussi. Donc ça après, ça permet de faire toutes ces commandes, son suivi, les retours des lentilles, comme on a pu voir la semaine dernière, depuis l'espace professionnel. Exactement. Télécharger vos factures, télécharger les bulletins de livraison, enfin. Tout ce qui est disponible sur le site. Enfin, vous êtes pratiquement autonome sur l'ensemble de vos commandes et retours et suivis sans nous, grâce à cette option, enfin, ces logins. Comme toujours, je remets la slide toutes les semaines, mais donc toutes les coordonnées sont bien sûr affichées. Vous pouvez nous contacter par mail, bien évidemment, par téléphone. On est à votre disposition si vous avez besoin. Est-ce qu'il y a quelque chose que j'oublie? Non, je crois qu'il y a le numéro WhatsApp aussi. On a un numéro WhatsApp Oui, sur lequel on peut envoyer des exactement. Vous messages. le trouvez sur les numéros sont aussi rappelés sur notre site internet public. Hein, vous avez tout, notamment le numéro WhatsApp qui peut être très utile pour transmettre tout ce qui est photos, vidéos, des adaptations. C'est des fois plus simple. Par contre, pour les commandes, c'est bien de si vous avez besoin qu'on le fasse, de les faire par email. Ça nous permet d'avoir vraiment plus d'informations, puis ça nous permet de les gérer. De façon plus avec un suivi sur les emails, sur les WhatsApp, c'est plus pour les échanges, sur les adaptations. Rapide, ouais. Ouais, Pour qu'il exactement. y ait un suivi d'adaptation, le mail c'est bien sa classe, et sinon une demande rapide par WhatsApp ça peut être efficace. Exactement. On va passer donc au sujet d'aujourd'hui, les rendez-vous de contrôle en orthokératologie. On avait vu le rendez-vous de délivrance
la semaine dernière, donc les rendez-vous de suivi. Le rendez-vous va s'articuler en deux parties, selon si la personne est venue avec les lentilles sur les yeux ou si elle est venue avec les lentilles dans la poche. Bon, ça va dépendre de vos patients. Donc après la première nuit, ou selon votre protocole, hein, c'est pas forcément la première nuit, mais au début de l'adaptation, en général, on demande aux gens de venir avec les lentilles sur les yeux très tôt le matin. Bon. Est-ce qu'il y en a beaucoup qui le font en pratique au niveau du conseil technique ? Non, c'est vrai que c'est souvent qu'on nous appelle en disant que les patients ne pouvaient pas venir à l'ouverture parce que raison professionnelle, parce que le magasin ouvre un peu tard, certains magasins ouvrent à 10 heures, si le patient s'est levé à 8 heures, on a vu la semaine dernière que ça ne servait pas à grand chose qu'il le garde pendant 2 heures de plus. Ouais. Donc c'est pas. Voilà, ceux qui arrivent à faire prendre leur rendez-vous à 8h, 8h30, bon, c'est parfait. Sinon, voilà, y en a certains, souvent, c'est pas possible parce que même dans l'organisation interne du cabinet ou la consultation, c'est pas forcément le plus simple. Donc en fait, bon, c'est régulier que ça, c'est pas à tous les coups en fait, qu'on ait des retours de suivi où les gens sont arrivés avec les lentilles sur les yeux. Souvent, ils doivent les remettre parce que, voilà. Bon, c'est pas forcément gênant, hein. Je dirais que si ça dépasse la demi-heure ou trois quarts d'heure entre le lever et le rendez-vous, il vaut mieux les enlever. Ça génère moins de problèmes pour le contrôle au final. Si la personne a les lentilles sur les yeux, donc on fait l'examen lampe à fente classique, hein, on met de la fluo, on vient observer notre image fluorescénique. On enlève la lentille, on vient vérifier s'il y a des traces sur la cornée, staining, KPS, des traces de bulles. Et s'il y a eu des marques d'adhérence ou des difficultés à retirer la lentille. Mais ce qui va nous intéresser surtout, c'est la suite en fait sans lentille. Donc une fois qu'on a retiré la lentille, on fait son acuité visuelle brute. On peut faire une légère réfraction en sphère uniquement, hein, pour aller très très vite. On peut passer 0,50 par 0,50 et quantifier combien de myopie on a déjà corrigé après une nuit. Donc en général, on s'attend à avoir corrigé 2/3. Et puis ensuite, la topographie. Donc ça, c'est vraiment l'examen à effectuer à chaque rendez-vous. Sur les visites suivantes, la démarche va être à peu près la même. En fait, on s'attend à toujours avoir les mêmes informations, l'examen réfractif sans lunettes, enfin, sans lentilles, surréfraction si nécessaire, et la topographie. Tu vois quelque chose à rajouter ? Non. Non, c'est vraiment les choses qui sont importantes. On se répète toujours un petit peu là-dessus, mais c'est les choses vraiment importantes à nous communiquer pour tout ce qui est conseil en technique. Parce que c'est vrai que sans ça, c'est compliqué pour nous d'analyser vraiment, sachant qu'on n'a pas le patient devant nous, on est obligé d'avoir le plus d'informations possible pour vous conseiller. Donc c'est vrai que ça, c'est topo, réfraction sur lentille, le sans lentille et fluo, ça c'est indispensable. Oui. Bon, tout en sachant qu'une mauvaise fluo ne veut pas dire que c'est une mauvaise adaptation. En général, le juge de paix, c'est toujours la topographie. Je répète un peu ce qu'on a pu voir la semaine dernière. Donc, si on doit définir les zones de la lentille et donc donner des informations sur ce que l'on observe sur la lentille, ça va aller du rayon de traitement, rayon de reverse, au rayon d'alignement et enfin le bord. Et on peut parler de ces quatre zones par méridien, c'est-à-dire le rayon d'alignement nasal, le rayon d'alignement temporal, supérieur, inférieur. Ça nous permet de vraiment ajuster l'adaptation et comprendre quelle zone est concernée ou problématique. Mais bon, c'est un peu comme toute adaptation de lentilles. On n'a rien inventé. Non. Non, je pense que c'est toujours la même chose. Si on a des difficultés dans l'adaptation, il y a en gros 3 à 4 grandes difficultés. Le décentrement supérieur qu'on va appeler le smiley face. Alors le smiley face, c'est tout simplement parce que ça fait un visage souriant, hein. La lentille est décentrée en supérieur et la différence de topographie
entre avant et après fait un joli sourire en fait hein, sur cette partie-là. On le voit bien. La cause, comme toute lentille un peu décentrée supérieure en rigide, c'est une lentille plate. Donc le rayon d'alignement est plat, on vient le resserrer en général de 10 centièmes. Et si ça persiste, on va faire encore une modification sur le sag. Bon, ça c'est souvent un problème que l'on voit régulièrement hein, en conseil technique. Oui, exactement. Je pense que c'est un des premiers retours, enfin, cause de retour sur des lentilles orthocas un peu techniques. On a souvent des smiley face sur des adaptations. Bon, c'est un des premiers causes de retour ou de modification. Ouais. Bon, c'est souvent le rayon d'alignement qui est trop plat, légèrement trop plat, et puis on le voit bien en fluo, hein, il n'y a pas de différence, il n'y a pas d'alignement entre la reverse et le bord en inférieur. Donc ça, c'est facile à modifier. Le deuxième cas, c'est les décentrements latéraux. C'est plus rare. On en a rarement chez Swisslens avec la Nightflex parce que le diamètre total de la lentille est défini en fonction du diamètre de la cornée. Donc on cherche à recouvrir le maximum de la cornée et donc on a moins de place pour le décentrement latéral. Donc la première solution pour le résoudre, augmenter le diamètre total, bon, c'est rarement le cas chez nous. Donc ça va être un peu le même problème que pour le smiley face, c'est souvent une lentille un petit peu plate. Et donc on vient la resserrer. Bon, ça vraiment, on en rencontre très très peu. Oui, c'est souvent, même un peu souvent, oui, c'est assez rare, c'est souvent le contraire. On a toujours des lentilles un peu trop grandes, moi je pense, mais souvent en fonction des... C'était le problème qu'on avait expliqué la semaine dernière, c'est la prise de mesure du diamètre cornéen qui peut induire une erreur si on le calcule un peu trop grand. Mais ouais. C'est rarement la lentille est trop petite, ça arrive de temps en temps, mais c'est quand même pas régulier. Et les deux derniers problèmes, que j'ai un peu résumé en un seul, mais il y a le Central Island, qui est une lentille qui est vraiment très serrée, qui là ne va même pas toucher la zone centrale, et donc va générer une déformation, une irrégularité au centre, qu'on appelle Central Island, puisqu'on on l'observe bien hein, sur la partie de la topo ici au centre. C'est une lentille très très serrée. Bon, il peut y avoir des lentilles décentrées aussi en inférieur. Et donc là, c'est une lentille qui est un petit peu serrée au niveau de la zone d'alignement, mais pas suffisamment pour générer un central island. Donc il y a les deux étapes en fait. Il y a l'étape intermédiaire qui est le décentrement inférieur, et puis l'étape vraiment très très serrée où on a cette irrégularité qui là ne donnera aucune acuité visuelle. Quoi qu'on fasse, on peut faire toutes les suréfractions du monde, ça ne monte pas. Après, il faut peut-être préciser que le Central Island, il se met un peu de temps à apparaître hein, quand même. Oui, c'est quelque chose qui est progressif. Au début, tout va bien, et puis c'est au bout de plusieurs semaines qu'on a le Central Island qui apparaît. Mmh. Oui, c'est souvent ça. C'est, moi, sur les retours qu'en conseil technique, on a ça. C'est-à-dire que souvent, tout d'un coup, tout va bien. Enfin, ça allait bien, les premiers rendez-vous, le lendemain à 3 jours, tout ça, ça allait super. L'acuité était bonne. Et puis, au contrôle d'un mois, à peu près, un mois et demi, là, y a plus, l'acuité a chuté, puis il n'y a pas de suref possible. Donc ça, moi, je trouve que c'est souvent à ce moment-là, le Central Island. C'est plus lent que le smiley face. Smiley face va se traduire assez rapidement. En une semaine, on va le voir, il va s'installer. Alors que Central Island, c'est plus long, ouais, effectivement. Si on doit schématiser un peu les différents décentrements, donc on va avoir le bullseye, le centre de la cible, qui est ce que l'on recherche, hein, donc un effet très centré, très régulier. Donc ça, c'est l'adaptation parfaite. Le décentrement vers le haut, qui est le smiley face, donc qui est la raison d'une flèche trop faible, et on va resserrer le rayon d'alignement. Le décentrement latéral gauche-droite, qui lui aussi, en raison d'une flèche trop faible, pour d'autres raisons, plus souvent le diamètre total qui est un peu trop petit. Et enfin, Frony Face ou Central Island, qui est un décentrement inférieur pour une lentille trop serrée. Ça, c'était la première partie du contrôle en orthocas, le contrôle de la topographie. Et puis ensuite, on a le contrôle de la réfraction.
Donc, si tu te souviens bien, on s'était arrêté à cette diapo-là la semaine dernière. Donc, on a posé notre lentille au rendez-vous de contrôle. On est à 30 minutes et la personne voit net avec la lentille sur les yeux. Effectivement. Donc là, voilà. Donc là, oui, exactement. On la voit sur l'œil. Donc là, étant donné qu'on a pris la face avant de la lentille compense la déformation créée, enfin le lac de larmes créé, le réservoir, ça donne une acuité qui est bonne. Hein. Quand on a des lentilles sur les yeux, Ortoka, l'acuité doit être tout à fait un petit dixième, hein, enfin le maximum attendu. Dixième, oui, enfin au moins autant que qu'en lunettes en général, ou plus ou moins une ligne, mais c'est ce qui est prévu. Et puis on a notre rendez-vous le lendemain de la première nuit, et donc là on a déjà une déformation, hein, un remodelage de la cornée qui est visible, hein, sur notre topographie en 3D, notre lentille qui est sur l'œil. Bon. Là, le tire-film, il est à zéro dioptrie, ce serait plutôt après plusieurs jours de port, mais après plusieurs nuits de port. Mais l'idée là, c'est que le tire-film, lui, va gentiment tendre vers zéro. La cornée va être remodelée avec une puissance plus faible. Et la conjonction des deux nous fait toujours plan, avec 10 dixièmes par-dessus la lentille. Et puis, on enlève la lentille pour continuer notre examen. Et là, ce qu'on observe, c'est que le matin, la personne en général a une suréfraction hypermétrope de plus 0,75. Alors, pas d'affolement, hein, c'est tout à fait logique et c'est calculé pour. Dans notre feuille de calcul, Guillaume, je sais pas si tu peux un peu. Oui, on inclut dans notre feuille de calcul, enfin, dans le système de calcul, on joue sur le Jetson, qui est la régression qu'on attend dans la journée. Et en fait, l'addition que vous obtenez en début de, en, en, dé, en le matin après le retrait de la lentille, donc elle varie un petit peu, hein, de plus 0,50 à plus 1, en fonction des puissances qu'on souhaite corriger en myopie. Donc ça c'est quelque chose. Alors il faut pas s'inquiéter, hein, effectivement c'est tout à fait fait pour. Ça a enfin, l'évolution de cette correction positive est assez rapide. On se retrouve très rapidement à plan dans la journée pour le porteur. Bon, et puis c'est pas suffisamment important comme suréfraction pour générer de réels problèmes. C'est en général ce qu'on attend pour un œil émétrope. C'est une légère hypermétropie avec une légère accommodation. Et donc en fin de journée, effectivement, la puissance de la cornée va diminuer, va régresser. Et donc la réfraction par-dessus, enfin, en fin de journée, va être plus faible. Donc on attend en général 0,50 de régression. Pour vous aider, parce que c'est vrai que ça fait beaucoup de choses à noter et à suivre dans le contrôle de l'adaptation, on a rédigé un formulaire qui répertorie absolument tout ce qu'on a pu vous dire. Et ça peut vous permettre de faire un suivi à chaque rendez-vous. Vous notez la date et revenir dans le passé pour voir ce que vous aviez comme résultat auparavant. Donc, si on détaille un petit peu, on a le numéro de série de la lentille qui permet de savoir exactement avec quelle lentille on a quel résultat. La suréfraction sans la lentille, avec l'acuité visuelle. Et si cette acuité visuelle n'est pas bonne et que la suréfraction est présente, on demande la suréfraction par-dessus la lentille. C'est pour se rassurer, savoir si l'acuité est bonne avec la lentille, on peut se dire que l'adaptation est en cours. On n'est pas sur un effet à 100%. Ça, c'est difficile à comprendre. Oui. Et puis, alors, il est très intéressant ce formulaire. C'est surtout, alors, pendant l'adaptation et aussi au renouvellement. Hein. Au renouvellement, je pense que c'est un des formulaires, le formu enfin, c'est le formulaire qui est important de remplir parce que, ben, ça nous permet vraiment de savoir si, il y a une évolution de la myopie ou pas.
Parce que ben voilà, s'il y a une suréffraction avec lentille qui est confirmée avec sans lentille, on a quelque chose où vraiment ça nous permet nous de confirmer, puis vous aussi, hein, c'est vraiment quelque chose. Ce formulaire-là, il est bien dans le début de l'adaptation, comme ça nous on a un suivi, on sait exactement avec vous où est-ce qu'on en est dans les lentilles. Mais aussi au renouvellement, ça permet de confirmer ou d'infirmer que ben, les lentilles vont toujours ou pas, ou qu'est-ce qu'il faut changer. Ça, c'est sûr que c'est hyper important comme formulaire. Il gagne du temps pour tout le monde et il permet de ne pas oublier certains contrôles, hein, des informations que des fois ben, on peut oublier de faire. Là, vous avez un suivi, on vous rappelle les choses vraiment importantes à voir dans votre suivi d'adaptation. Oui, mais gros avantage, c'est que ce formulaire est disponible dans toutes les langues et que il est normalisé. Donc, c'est-à-dire que même si quelqu'un envoie le formulaire en français, un de nos collègues germanophones peut traiter la commande si nous sommes absents. Et donc, ça gagne du temps en termes de suivi. Et de commande, ouais, Oui. effectivement, il est traduit dans toutes les pour SwissLens, donc il y a environ 7 langues qui sont traduites pour ce formulaire, donc c'est toujours la même chose. Et puis sur la partie base, donc on met un petit onglet sur la topographie. Donc ça c'est au choix, hein. C'est-à-dire que soit vous sentez capable et puis vous nous mettez votre analyse de la topographie, ou alors vous nous envoyez la topographie en pièces jointes, hein, bien sûr. Et puis ensuite c'est plus des observations. Est-ce qu'il y a des piquetés? Évaluer les piquetés, les halos. Est-ce que le retrait de la lentille se passe bien, est-ce qu'il est facile ou est-ce qu'il y a pas mal d'effets de succion? Et enfin, s'il y a des bulles sous la lentille. Voilà. Ce formulaire essaye de prendre en compte tous les cas de figure pour nous aider à prendre les bonnes décisions dans l'adaptation. On va en avoir fini pour cette semaine. Alors, n'hésitez pas à commenter si vous avez des questions, hein, si on n'a pas abordé un pan du rendez-vous de contrôle. La semaine prochaine, on hésite entre le contrôle myopique, qui est un sujet vaste, ou qu'est-ce qu'on peut aborder aussi sur l'ORTHOCA? On peut aborder l'utilisation des topographes, ça peut être un bon thème, je ne sais pas. Dites-nous en commentaire ce que vous souhaiteriez voir. On prend toutes les bonnes idées et puis on programme ça pour lundi prochain à 17h. Voilà, exactement. N'hésitez pas à nous contacter entre-temps si vous avez moindre question ou choses comme ça. Et puis bon courage. C'est bientôt la fin, ne vous inquiétez pas. Pour le confinement, hein, On pour le arrive au reste. bout, oui. Ouais, exactement. Bonne soirée, à bientôt. Bonne soirée, à bientôt.